Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity awareness. Today we'll talk about our mobility part two. And before jumping into the topic, we want to talk about some practical aspects, some practical questions. People send questions about our previous session of mobility, and they ask questions about how people are they can attack their cell phone, basically women. We receive a lot of questions, about 10 questions, where women was asking about how their husband could penetrate their cell phone, if their husband can penetrate the cell phone. Again, we mentioned before, this session is a awareness session. And what we reply, we want to emphasize again, because several people ask the same question. So, like we say, we are not teaching people to hack. We are raising awareness, and everybody knows that knowledge is power. When you know about your cell phone, you know how to handle it. And they ask how the husband could penetrate the cell phone. Obviously, if you neglect your cell phone, the husband can penetrate, or if you connect with your husband and be on the same, you know, level of understanding, you could share your messages with your husband. That's the point. So today we're going to get on the point on mobility part two. How they can attack the risk factors, the attack vectors for the mobility. So on the mobility, we have several aspects where they can attack your cell phone. We have Wi-Fi, we have Bluetooth, apps, and browsers. Browsers, smishing and vishing. In previous session, we talked about smishing and vishing. First of all, the Wi-Fi, when you watch this schema, you're gonna watch this schema, you're gonna see all these aspects. We're not spend all the time on this all this aspect, but we're gonna spot some of the aspect on the Wi-Fi. You do not allow your Wi-Fi to be open to everybody. You need to secure your Wi-Fi. When you are not using your Wi-Fi, sometimes it's important to just turn it off, because when you open your Wi-Fi, people can use it. People can penetrate, especially if your Wi-Fi is not secure. That's why it's important to secure it. You have also the Bluetooth. On the Bluetooth, you have to disable automatic access to your Bluetooth. Put it when you want to use it, and after then you can disable it. It's some security factors. You can disable it if you are not using it. Also, the apps is recommended to use the apps provided in the App Store of your mobile. Like iPhone, they have the apps, you have Android also. So it's important to use those, and stopping using every apps within the internet. Some of the apps are just there to spot you and get you on the hand of hackers. So that's why it's important we insist on this. We have also browsers. Browser basically are internet, you know, interface where you can connect to be able to use some internet features. So with the browser like Internet Explorer, you know, Google or Safari, all these, it's important to know that
these browser, you don't need just to connect on those browser. You need to know which browser is secure, because hackers use those browsers to penetrate your cell phone. You have also smishing. Smishing, we talked in our previous session about smishing. Smishing basically is a social engineering, so the phishing part through the SMS. They send some phishing attack through your cell phone. You need to be aware of that. So be aware, do not let yourself penetrate by hackers through smishing. You have also vishing. Vishing is the phone through the phone, the voice. It's the phishing through the voice. So you need to be aware of that. So do not let yourself just through your cell phone opening every link. You need to be secure through those links. When you watch this schema, you're going to see a more explanation about this attack, how to prevent those attack through your cell phone. That was the session of today. Thank you very much. Stay tuned for the French version. Pour la synthèse en français, encore merci à tous ceux qui écrivent. Il y a beaucoup qui ont écrit pour poser des questions, spécialement des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, il y a au moins 10 femmes qui ont écrit pour savoir si avec leur mari, il est possible d'attaquer leur téléphone mobile, dont leur cell phone, comme nous appelons. Donc en fait, nous avons encore dit dans notre session, il n'est pas question de montrer aux gens comment il faut perpétrer des attaques. Il est question d'attirer votre attention, d'apporter des alertes pour que vous sachiez que avec un cell phone, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Alors votre cell phone, comme nous l'avons dit dans la session, la première session sur la mobilité, donc sur les cell phones, il est question de savoir que on peut attaquer votre cell phone, spécialement votre mari. Si vous entendez avec lui, vous pouvez gérer cela. Bon, mais maintenant, il est question, parce que vous êtes ensemble, on l'a dit, pour qu'on utilise votre cell phone, qu'on voit vos messages, il faudrait que celui qui est avec vous sache comment est organisé votre cell phone. C'est la raison pour laquelle il y a des mots de passe. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, c'est la partie 2 où on vous parle des attaques. Donc, comment il faut se prémunir, comment il faut prendre des dispositions pour ne pas être attaqué. Et ici, nous avons choisi, comme vous allez voir sur le schéma que nous avons présenté, nous avons des aspects sur votre cell phone. Vous allez voir des aspects où il y a, spécialement quand vous allez dans Settings, c'est-à-dire la zone de configuration, vous allez voir Wi-Fi. Wi-Fi, Bluetooth, les apps, il y a l'App Store, que vous ayez un Android ou que vous ayez un iPhone, donc vous avez ces aspects-là. Donc ici, le Wi-Fi, c'est donc la connexion à travers les Wi-Fi, comme nous les appelons en français. Donc à travers les Wi-Fi, il y a des choses qu'il faut connaître. Il ne faut pas autoriser, l'ouvrir et l'autoriser à, d'accès à tout le monde, à tous ceux qui y passent. Parce que tous ceux qui y passent, vous avez ceux qui attaquent, qui peuvent lancer une session pour reconnaître quels sont les accès Wi-Fi qui sont ouverts. Donc vous devez le mettre, le tourner à off, donc c'est-à-dire que le désactiver. Donc il y a également le Bluetooth. Bluetooth, c'est la même chose, donc c'est une autre session où on peut vous attaquer. Donc vous avez cette possibilité de tourner off quand vous ne l'utilisez pas. Donc vous désactivez l'option Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas. Mais quand vous l'utilisez, vous pouvez le mettre en marche. Bon, parce que les gens peuvent l'utiliser, des systèmes automatiques où on peut utiliser pour vous attaquer. Il y avait cet aspect. Donc les apps, ce sont des petites applications qui sont généralement sur votre cell phone. Donc que vous ayez Android ou bien iPhone, il y a des apps utilisées, ceux que votre constructeur, votre provider, celui qui vous fournit le téléphone, met sur votre téléphone. En l'utilisant, vous êtes plus en sécurité que d'aller chercher d'autres
apps ou ces petites applications ailleurs. Quand vous allez ailleurs, il y a certains qui sont faits uniquement pour nuire, pour vous attaquer. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste là-dessus. Donc, on a également parlé des browsers. Les browsers, c'est donc les applications qui vous permettent d'accéder à Internet comme Internet Explorer ou bien Safari pour les iPhones ou bien Firefox, Mozilla. Donc, c'est tout ça, c'est les accès à Internet. Et les accès à Internet, on l'a dit bien avant, ce n'est pas toujours très sécurisé. C'est vous qui donnez la sécurité que vous avez utilisée. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de savoir et de se prémunir sur votre cell phone, savoir lequel utiliser et quelle est la limite. Donc, il y a tout cela. Donc, à partir des SMS, maintenant, on peut vous envoyer des liens. Quand on vous envoie des liens, c'est à vous de savoir quel est le lien important qu'il faut préserver pour ne pas être attaqué. Donc, il faut savoir, il y a des liens qui arrivent qui sont très flatteurs et très beaux. On vous promet tout ce qu'il y a à travers des publicités et tout ça. Vous cliquez dessus et tout de suite, vous êtes redirectionné pour une attaque. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, c'est la même chose pour les options de phishing dont on a parlé avant. C'est à travers la voix, on vous prend, on vous trompe et tout ça. Donc, on parlait de ça aujourd'hui et il est très important d'être très connecté et de suivre tous ces petits conseils pour mieux se prémunir. Merci de vous connecter encore et restez CyberConnect.